Salut à tous, c'est Nguyen. Alors les gars, aujourd'hui, on va aller chercher le Yeti des neiges. Donc je vous le dis direct, il y a un nouveau Yeti. Juste avec la salle, vous avez vu, on est en mode chasseur. On a notre ami Zkovi qui est chasseur. Donc c'est un spécialiste justement des créatures un peu bizarres et tout. Et il nous a dit qu'il y avait un Yeti qui apparaît ici. Alors vous avez vu, il y a un petit point d'interrogation. Vous voyez sur la map, vous, le point d'interrogation. Et... donc c'est dans cette forêt, apparemment, Monsieur Zkovi, qu'il y a ce chasseur, c'est ça, qu'il y a ce Yeti, quoi. Bah c'est ça. D'accord. Alors je suis avec mon compagnon La Salle, bonsoir La Salle. Bonsoir, aujourd'hui on va chasser la galinette cendrée dans les montagnes de GTA. Ok, alors du coup, bah écoutez, Monsieur Zkovi, spécialiste des chasseurs, vous pouvez y aller. Allez, rouler dans la forêt. Alors nous, on est, alors comment vous dire, on est censé être avec notre troisième compatriote, mais malheureusement c'est les fêtes de Noël et du coup il est en famille, donc c'est pour ça que Monsieur Edeno n'est pas là avec nous. Alors faites attention, à tout moment il peut apparaître, c'est ça, Monsieur Zkovi. Dites-nous en un peu plus sur la bête. Alors la bête, c'est un Yeti qui est tout blanc par rapport à la fête hivernale. D'accord. Il se balade très souvent dans ces zones-là, donc toute la journée, il tourne en rond, il fait sa vie et notre but, c'est de le trouver, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on le voit? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il y a eu des histoires par rapport à tout ça ou pas du tout? Alors, principalement, tout le monde dit qu'il est dangereux. Après, on peut tenter, je sais pas, une approche. Je l'ai jamais réellement vu, à part au loin, donc je saurais vraiment vous dire. D'accord. Et vous l'avez vu au loin, quoi? Vous l'avez déjà vu, quoi? Ouais, une seule fois. Ok. T'en penses quoi, collègue? Oula, je pense que la galinette cendrée est un animal qui se chasse plutôt facilement. D'accord. Par contre, la route est bloquée, chef. Très bonne question. On descend à pied? Bah, je pense qu'on va finir comme ça, hein. Alors du coup, vous êtes d'accord que vous êtes professionnel et que nous, on n'a pas de risque, puisque nous, on est venu dans cette mission, on s'est un peu embarqué là-dedans avec mon collègue, on est d'accord, collègue? Bah oui, collègue? Oui, bah je me demande ce qu'on va faire maintenant. Ouais, ok. Alors là, on descend. J'entends des cris. Wow, regardez là-bas. Wow. Regardez là-bas, wow, les gars. Regardez là-bas, il y a quelqu'un, il y a un truc. Wow, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, monsieur? C'est lui. C'est le Yeti blanc. C'est le Yeti. Tirez-lui dessus, les gars, tirez-lui dessus. Il est blanc. Je peux l'approcher, moi, je suis un professionnel. What the fuck? C'est ce qu'on appelle le Yeti blanc. Ah ben, bah, moi, j'y vais pas, les gars, mais je... Moi, si vous voulez, j'y vais. Je suis un professionnel, il me fera aucun mal, c'est sûr, à 100%. Bah oui, on va te regarder, vas-y. Moi je prends pas le risque, j'ai peur hein. Vas-y, professionnel. What the fuck. Vas-y, attends. Monte dans la voiture. Je monte dans la voiture, ouais, je monte dans la voiture. Ah ouais, il est chaud, lui. Ah, il est chaud, hein. Ouais, il est chaud. Il est hidden chaud. Petit Yeti. Attendez, on arrive. Ah bah c'est vraiment bloqué en fait, on peut même pas y aller. Vas-y, t'es quoi, La Salle? Vas-y, descends. On peut y aller, parce que regarde, attends. Il suffit de faire ça, regarde. Ah, voilà, encore. Vas-y, monte. Encore un petit peu et on... Attendez, chef, on arrive, hein. De toute façon, on a les micros. On a les talkies. Ah, vas-y, là, tu peux passer à gauche, là. Voilà. Ok, doucement. Il est là. Tu vois, c'était plutôt simple, quand même, hein. Oh, le Yeti. Stop. Ah, il est là. Fonce. Ouais, je fonce. What the fuck, c'est incroyable. Ce Yeti ressemblait à une galinette cendrée. What the fuck. Alors je sais pas ce que c'est une galinette cendrée, collègue, mais fais gaffe, je suis tombé. Attends. Il n'y a pas de phoque ici dans la région. Ok, vas-y, tu peux y aller. Je pense que je te conseille d'aller à droite. Je te conseille d'aller à droite aussi. Alors, attends. Fais demi-tour. Ouais, je fais demi-tour. Ok, what the fuck. Ouais, fais demi-tour, on va aller dans la forêt, mais l'autre côté. Waouh. J'ai trop peur.
Waouh, j'ai trop peur aussi. Alors, attendez. chef. Laissez-moi conduire, chef. Ouais, chef. Ok, chef. Ok, allez. À vos ordres, chef. Bah oui, parce que je vais pas quand même. Vous êtes le chef des chasseurs. Quand même, vous allez pas conduire. Bah oui, chef, c'est vous qui conduisez, chef. Et par contre, on a notre collègue, il y a toujours le point d'interrogation. Toujours, chef. Waouh, les gars, vraiment. Waouh. On a pu. Monsieur, vous m'entendez au micro? Là! Attention, le Yeti! Oh, c'est un Yeti en forme de Yeti. Waouh, le Yeti des neiges existe vraiment, les gars, je. Il est blanc, comme la neige. Bah ouais, il est blanc comme la neige. Ok, t'inquiète. On va le tuer ce Yeti. On va le tuer. Nous, on n'est pas professionnels, mais on va le tuer. J'ai une info importante sur le Yeti. Dis-nous en Qui peut nous servir. Le Yeti est blanc comme de la peinture blanche. Oh, c'est très important. T'as pas d'autres informations? Alors... si. Le Yeti a une tête et deux bras. Ah. Alors, j'ai entendu qu'apparemment... je sais pas si il se courant cette... Apparemment... C'est des Yeti aussi. C'est les glaçons, là, en forme de glaçons. Ah oui, les Yeti, on est d'accord là-dessus. C'est ce que j'allais dire. Les Mister Freeze, Yeti, tout ça. Ok. Alors, on va aller plus vers le haut. Je vais m'échapper cette forêt. J'ai entendu également... Il les suce pour rester froid, parce qu'il a besoin de rester au frais. Ok. J'ai entendu également qu'apparemment, ce Yeti dansait la lambada. Et si on dansait la lambada, il nous attaquait plus. C'est des rumeurs hein, qu'on entend dans les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y a un TikToker qui l'a filmé en train de danser la lambada, justement. Ah, moi j'ai vu ça sur la chaîne TikTok. Ouais. Laquelle ? TikTok. Ah, carrément sur la chaîne TikTok officielle ? Oui. Non, TikTok. Ok, waouh, ça fait peur tout ça. Ok, par contre, là, on est dans le chemin dangereux. Je sais pas si vous connaissez ce chemin dangereux. Notamment, oui, j'ai déjà vu dans un dessin animé. Effectivement, dans un dessin animé d'un certain youtubeur qu'on appelle La Salle. Non, La Salier, moi, c'était. La Salier, oui, c'est peut-être ça, alors. C'est peut-être un youtubeur espagnol. Attention, il y a là-bas, des... Là-bas, j'ai vu un truc dans les airs. Ouais. Ok. Tout doux. Non, mais il faut pas avoir peur du picor du pain dur. Il faut rouler doucement, ça fait à peu près combien de temps qu'on le cherche là, je dirais 5-6 minutes hein. Oh là là, il y a des gens qui cavalent là de l'autre côté là. Yeti blanc. Quand on dit trois fois son nom, il apparaît. Oh punaise. Ils sont là. Ils sont devant. Oh punaise, il y a un gang. Écrase-les, c'est un gang. Yay. Waouh, ils sont nombreux. Tire. Oh punaise de flûte. Alors apparemment ils sont très très résistants, donc faut vraiment ils sont d'une invincibilité incroyable. Okay. Mais il faut tuer le chef. Il faut tuer le chef des Yeti. Chef des chefs. Ok, lui il a pas l'air de fuir, donc à mon avis de vous, on va pas trop prendre de risques. Ok, alors ce que je te conseille collègue, c'est qu'on prenne de l'auteur. On monte sur notre voiture et dès qu'on le voit, on le bombarde. T'as quoi? T'as ton mousquet toujours hein? Oui. Ok, parfait. Alors attends, je vais essayer de. Je pense qu'on va l'attendre sur ce pont. On va lui tendre un piège. Vas-y, arrête-le. Prends sa voiture, comme ça on va bloquer le pont. Vas-y, prends-le. Il est là. Monte, roule. Non. Attends-moi. Ok, vas-y. Va sur la route à gauche. Waouh. Va dans l'eau, je sais pas, fais un truc, mais... Faut qu'on le tue. Fais un backflip, je sais pas. Il tombe pas ou quoi? What the fuck, mais il tombe pas! Collègue! Attends, je descends. J'essaie de le tuer. Bouge pas. Oh, mais j'arrive pas, c'est quoi cette arme là dégueulasse qui nous a donné l'autre? Ok, j'ai essayé de tirer.
Vas-y, 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 roule, 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 roule. Collègue. Roule, roule, roule. C'est très difficile. Roule, roule, roule. Attends, attends, roule. On va attendre un piège, on va attendre un piège. On va attendre un... on va bloquer la route, on va monter sur notre... t'inquiète, 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 t'inquiète. Vas-y, bloque la route, bloque... Enfin, ouais, non, 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 non. Vas-y, vas-y, t'inquiète, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Roule, roule, roule. Va au-dessus, on va bloquer la route, ok. On se met sur le... Ouais, vas-y, 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 move. Roule, roule, roule. On se met sur le camping-car et on l'attend. Oh là là, mais il nous cavale, il nous lâche pas ce truc. C'est quoi ce Yeti de fou? Vas-y, vas-y, bombarde, 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 bombarde. Ok, arrête-toi, arrête-toi maintenant. Ouah la vache. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète, on est là cette année. T'inquiète, on est là cette année, t'inquiète, on est là cette année. Vas-y, descends, descends, descends. Ok, viens, 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 suis-moi, suis-moi. Là, suis-moi. On est bien, là. Ouais, dans l'eau, dans... apparemment, il sait pas trop nager. Donc, viens, viens, viens. Bon, par contre, il y a le courant, il y a le contre-courant. Il y a le courant électrique. Ok. C'est bon, je l'ai. Ok, maintenant, faut qu'on le tue. Vas-y, viens. On va l'attendre ici. Hein. C'est une... Ah, il est là. Où? Au-dessus de nos têtes. Je vois pas, je te vois pas. Sors ton mousquet, sors ton mousquet. Ou ton couteau, n'importe. Là, 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 là. Tu tire, tu. Ah, c'est quoi de ces armes qu'il nous a donné le... Il est professionnel de quoi? C'est quoi ces armes, là? Il est où? Il est dans l'eau. Ok, dès que tu le vois sortir, tu le tues. On va le faire, on va le faire, on va venger notre collègue, on va venger notre collègue. Mais c'est de sa faute, pourquoi on est venu ici, on l'a écouté et... Okay. Là, 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 là! Je l'ai vu dans l'eau. Je crois que je vais perforer l'abdomen. Là, là, derrière toi! Non! Tire! Oh punaise, tu l'as eu? Oui, bien joué! Il est où? Là, 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 merde. In the... On the rock. J'aimerais bien voir son corps, moi. Ok, les gars, il y a... What the fuck? Il y a mon collègue qui l'a remonté à l'eau. C'est ça, le Yeti des neiges, là? Waouh. Waouh. Ah oui, il est vraiment... Vraiment énorme. Regardez les pattes et tout. Regardez les pieds. Regardez ses pieds.